François Hollande en personne a salué son talent et sa compétence. Dans les rangs de la majorité, on admet sans détour la perte d'un poids lourd. Je voudrais souligner les qualités extraordinaires de Jérôme Cahuzac. Je crois que cette admiration, elle était largement partagée sur tous les bancs. Et donc c'est un grand ministre du budget qui, aujourd'hui, a passé la main. À droite, effectivement, on reconnaît les qualités du ministre qui avait su gagner le respect de ses adversaires lors de l'examen du budget. L'opposition accorde à Jérôme Cahuzac le crédit de quelqu'un qui était un ministre du budget très sérieux. Pour prolonger la métaphore chiracienne, qui était pour moi le meilleur d'entre eux, c'est-à-dire qu'il incarnait une certaine rigueur dans un contexte de crise. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je rappelle que vous êtes UMP. Pour les spécialistes, c'est une pièce maîtresse du gouvernement qui vient de tomber. Le travail de Jérôme Cahuzac était reconnu comme un travail d'un grand professionnel et avec une grande exigence dans le respect des finances publiques, avec une forme d'intransigeance à l'égard de l'ensemble des ministères. Il s'agit quasiment d'un travail de rapport de force avec chaque ministre, avec chaque ministère, pour imposer aux uns et aux autres des restrictions budgétaires. La barre est donc haute pour son successeur, Bernard Cazeneuve.